Alors pour les buns, alors je vais justement à la boulangerie de Sablonville qui se trouve juste ici, au rue de Sablonville, à peine 100 mètres du camion, donc c'est vraiment de la production locale. Le pain est cuit deux fois par jour, donc voilà, le matin très tôt et à l'heure du déjeuner pour le refill. Et pour la viande, je vais à la boucherie du parc qui est rue Madeleine Michelis, qui est une des meilleures boucheries de Neuilly, qui propose de la viande de tout type. Alors pour ma part, on prend de la basse-côte de bœuf qu'on fait maturer 15 jours. Ça permet d'avoir une viande onctueuse, pleine de goût, délicieuse et qui fond dans le burger. Donc c'est pour ça qu'on a fait un choix stratégique. Après avoir essayé pas mal de viandes différentes hachées, pas mal de mélanges, finalement on est parti sur cette référence. Trois types de burgers, donc le Westwood, le Santa Monica et le Venice, donc qui fait référence à la West Coast des États-Unis, là où a été inventé le burger, si je puis dire. Et à côté de ça, on propose trois hot dogs différents. Donc nous avons le Fifth Avenue, le Madison et le Brooklyn. Voilà, avec des ingrédients différents. Certains sont assez simples, d'autres un petit peu plus originaux, mais on est resté sur des produits de très bonne qualité et un assemblage avec peu de produits pour laisser justement la viande exprimer toute sa saveur aussi bien dans le burger et dans le hot dog. It's great, the hamburger, it's the best I've had in Paris. It's been 15 years since I've lived in France, and finally I'm having a real hamburger, like back home.